Allons changer les plaquettes. Mais d'être fou à l'inter, ça te fait... Bon, on est avec Camille Ballange, on vient de faire la qualif. Incroyable, la piste, c'est quand même fou comme elle est devenue dure. Donne-nous un peu ton ressenti là. Ouais, franchement, elle est super dure, elle est super physique surtout. J'étais vraiment étonnée. T'arrives en bas, t'as les jambes qui serrent, tout qui serre, c'est vraiment. T'es comme ça. Et elle évolue bien, elle a bien séché, mais il y a quand même toutes les racines qui ressortent, du coup elle est quand même glissante. Mais bon, franchement, c'est vraiment cool d'avoir une nouvelle piste et elle est chouette. T'étais, on va dire, en 2020 dans le groupe de tête, mais outsider par rapport au podium et au titre. T'es allé chercher ce titre, tu gagnes ta première Coupe du Monde, là tu fais 3ème des qualifs. C'est vraiment, la confiance est là maintenant et ça déroule en fait. Ouais, franchement, c'est fou, mais j'avais vraiment pas l'impression d'avoir fait un run autant bien, donc c'est encore plus génial de voir que je peux faire un bon run clean et de voir que c'est quand même rapide. Donc c'est chouette et ça me fait super plaisir et ça me donne encore plus de confiance et de fun, donc c'est cool. Il est toujours un peu en pause Hurricane, quoi, le gars. Hurricane, BMX, t'as vu, on est dans la street. Bon, ça s'est bien passé ou quoi? Eh ben, ça va. J'ai fait deux bons, très bons même premier split et après je me suis sorti. Mais ouais, du coup ça va, hein, 37, qualif. Ben là c'était condition parfaite, je pense. Ah ouais? Ouais, là c'était incroyable. Toutes les racines étaient à peu près sèches. Ah, c'était là, on pouvait pas rêver mieux. Hein. Pronostic demain, si c'est pas toi qui gagne chez les hommes et qui va gagner chez les femmes? Ben moi, j'ai Loris. Loris 1. Loris 1. Ok. Et chez les filles, ben Myriam, Inch'Allah. Donc deux Français quoi. Bah ouais. Ouais, je suis le supporter numéro 1 des Français. En plus on est en France, sérieux. Bleu, blanc, rouge mec. T'es allé voir la piste? Ouais, pas tout. Ça c'est pour full attack ce truc qu'on ouais, est en train de faire. Full attack, okay. Et demain, il y aura un nouveau truc demain. Ça va se créer demain. C'est le rat throw, ça s'appelle. Là la France te regarde. Attends, faut que je maigrisse. Faut que je maigrisse en 2 secondes. La piste c'est pas un peu terrible? Ah c'est magique. C'est incroyable. C'est défoncé mais c'est trop bon à rouler.
franchement, on se régale. Je t'ai vu passer et t'as pas été vraiment tendre avec les roues et tous ces trucs-là quand même, hein? Ouais, non, pas vraiment. Après, on a fait confiance au matos pour le coup. Ça tape dans tous les sens. Les trous de freinage, ils ont reculé 2 mètres entre le départ de la qualif et la fin de la qualif. Je te dirais, le run de qualif était assez sport. Si tu dois donner un mec, une fille demain, c'est qui? Demain, Lolo, direct. Et en fille, Pompe. Pompe on fire, mec. On fera un bisou à Marine Frenchies aussi, ouais. qui regardera et qu'on j'espère qu'on va la voir tout à l'heure. Ouais, grave. Mais on va faire des gros bisous à tous nos Frenchies. Parce qu'on est ici, on est chez nous. Let's go. Manu, t'es allé sur le bord de la piste, ça va vraiment vite là sur le bord quand même. Ouais, bah t'as tracé trop vite. Hein. C'est un peu dur d'être quand t'es pilote, t'as envie d'aller très très vite, toujours lâcher les freins, mais il y a des moments là où il faut savoir freiner pour aller vite. On voit qu'il y a pas mal de gars qui freinent au mauvais endroit aussi, donc voilà, c'est un peu une compilation de toutes les techniques de pilotage. Demain, si toi tu dois donner qu'un nom chez les filles et qu'un nom chez les hommes, tu donnes qui? Personne. Je fais jamais de pronostic et puis... Tu veux nous en faire un pour full attaque? En France, ça serait bien que ce soit les Français qui gagnent, ouais. Une femme française, un homme français, on voilà. Se régale. Flo, ça va? Yeah, ça va, ouais, tranquille. Posé au paddock. Oh, y'a un gars qui t'a fait la blague de c'est les boules de pas rouler ou ah, tout le monde te l'a Du coup, on en parlait avec Louis tout à l'heure. 5 premiers mecs en moins d'une seconde. Si tu dois donner un mec devant, demain. Bah ouais, ça va être chaud. Ça va être... Non, non, non. Non, il a pas compris la question. Laisse-moi réfléchir. On est en France, ça va être la folie demain, les spectateurs et tout. Il y a plein de pression, Loïc va être fort, mais ça va... Voilà quoi, je veux dire, moi je dis Loïc. Hein. L'idole des jeunes, il est là, il est solide, il a prouvé aujourd'hui, donc ouais, on va rester là-dessus. Et chez les filles, Myriam qui saute le roi de gap là-haut et qui est dans le coup à mort, donc... Ça fait plaisir de voir Vali qui était là, que tout le monde attendait, et de voir Myriam qui finalement... Tue la course. Tue la course concrètement, donc Myriam. Est-ce que t'aurais pas vu genre le fameux Estac Uncut? Il est dedans là? On va aller le voir dedans? Il est là-bas, on va pas trop le déranger parce que... Parce qu'il est très concentré, comme vous pouvez le voir. J'ai rien à dire. On est là. Mais je sais pas, hier ça se passait très bien. Ce matin j'avais un peu chié mais ça allait. Et je sais pas, là vraiment à côté de la plaque complet quoi. J'ai juste... Genre manque de rythme, direct ouais, tu le sentais sur le vélo que tu manquais de rythme ou tu l'as vu en bas surprise? Bah en bas d'un coup, genre je pensais vraiment pas que j'étais si loin quoi. Genre dans ma tête c'était pas pire. Je pensais avoir bien roulé, enfin c'était pas pire quoi. Et je sais pas, vraiment, désillusion complète quoi. Mais ouais, on va tout faire pour revenir parce que là, ça fait chier de... Surtout une course comme ça quoi, il y a tout le monde en France, la piste est ouf. J'ai pas pris de risque, mais bon voilà, c'est sûr que là, demain, je vais pas me faire mal. Hein. Est-ce que ça bombarde un peu sur cette course? Ça bombarde, grave, le tracé est ouf. On savait pas trop le temps que ça allait mettre parce qu'il y a quand même pas mal de parties qui sont un peu aléatoires. C'est le mix entre rouler hyper vite mais prendre des risques, il y a quand même pas mal de racines donc c'est chaud. Après ça a soudé aujourd'hui, là le temps qu'il fait apparemment la fin des bois c'est sec là, donc à mon avis ça va partir en sec demain. Je pense qu'encore demain ça va être encore différent parce qu'il y aura des traces peut-être qui vont s'ouvrir sur des choses qui étaient pas faisables avant. Et puis on va voir. C'est quoi ton pronostic? Chez vous, pronostic? Alors un seul nom. Un seul nom? Ah ouais. Je pense que Loïc il est chaud à refaire du Super Bruni. Dadia, rendez-vous demain. Allez, on finit cette journée incroyable, la qualification était folle, franchement ça va ultra vite sur le bord, c'est vraiment impressionnant. On a vu donc Loïc qui est devant, juste suivi de Loris qui donc lui est troisième, Angel qu'on a vu très très fort aller au gang qui est deuxième, et chez les filles Pompe qui a un peu tué la course, 7 secondes d'avance, c'est beau, c'est vraiment beau. Camille Ballange qui est toujours bien présente, ça reste très 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 serré. J'ai hâte de voir vraiment la finale demain. Il y en a plein qu'on a encore sous le pied. Si ça tient la météo, ça va être juste vraiment wild. Je vous donne rendez-vous demain sur Full Attack pour le résumé de la finale. Ciao, ciao!